Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'on m'entend bien aussi. Test son à chaque fois au début. Normalement, ça devrait aller. Aujourd'hui, j'ai bien pensé. Bienvenue pour cette nouvelle séance autour des requêtes Sparkle et ce soir en particulier autour des Lexem. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vais commencer par faire une petite introduction. Qu'est-ce qu'un Lexem? Spoiler, un lexème, en gros, c'est un mot. On m'entend bien, parfait. Et du coup, c'est des données un peu particulières, des données lexicographiques autour du lexique, qui sont différentes façons de faire, qui sont pas stockées pareil que les éléments habituels qu'on a dans Wikidata. Qui ont tout un tas de particularités que je vais essayer d'expliquer ce soir et de vous montrer. Par contre, la caméra lag un peu. Oui, bon, ça c'est parce que c'est la caméra intégrée dans mon ordinateur. Je peux rien y faire. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a du monde un peu ce soir? Parfait. On va commencer doucement, comme je disais. Juste avant de vraiment commencer, je voulais juste préciser que ce soir, cette séance fait partie de ce qu'on a appelé les 30 lexicojours, 30 lexicodays en anglais, qui sont depuis hier jusqu'au 15 avril, donc pendant un mois, 30 jours, tout un tas d'animations, d'événements en ligne autour des lexèmes, autour de la lexicographie en général. Qu'ont pour but d'améliorer cette partie de Wikidata qui n'est pas beaucoup connue et surtout d'améliorer la documentation autour des lexèmes parce qu'elle est un peu disparate pour rester dans l'euphémisme. Du coup, je passe sur mon écran. On va regarder pour commencer la page des lexicodèses. Et je dis que je passe sur mon écran, mais si je vous montre pas l'écran, ça marche moins bien, forcément. Voilà, écran. Donc voilà, on a une page événement sur Wikidata que je vais vous mettre en lien dans le chat aussi. Et donc, comme je disais, du 15 mars au 15 avril, vous pouvez lire les explications, mais on a surtout tout un tas d'événements en fait. Qui auront lieu. Il y a eu une introduction hier en anglais. Ce soir, bah voilà, c'est ma Sparkle Quiz du mardi soir que je fais en français. La semaine prochaine, ce sera en anglais, toujours sur les Lexem, mais en anglais du coup, pour un public différent. Et on a différentes sessions. On a une session de live editing, par exemple, le 20 mars. On a des sessions, voilà, une autre session en français, c'est ça que je cherchais, le 24 mars, pour discuter, pour venir poser toutes vos questions. En l'occurrence, là, ça sera sur un Jitsi. Donc, ça sera vraiment beaucoup plus dynamique pour poser vos questions autour des Lexem. Une session Lingua Libre est prévue aussi, normalement, le 27 mars, en espérant que le système soit revenu d'ici là. Mais on va tout faire pour. Puis, d'autres sessions, notamment autour de tout ce qui est documentation. Ça intéresse beaucoup de gens d'avoir une meilleure documentation. Et l'équipe technique de Wikimedia Deutschland est là, notamment en personne de Dan Chick. Qui nous aidera à documenter. Voilà. Donc voilà, on a plusieurs choses. Et si vous avez des événements, on en risque d'en avoir plusieurs autres qui vont s'ajouter dans le programme. Donc n'hésitez pas à regarder cette page au fur et à mesure. Et si vous êtes intéressé, à vous inscrire dans les participants pour qu'on puisse vous pinguer ou ce genre de choses. Ou même, voilà, il y a des gens dans les participants qui posent leurs questions. Faut pas hésiter. Voilà. Donc ça, c'est pour poser le contexte de qu'est-ce qu'on va voir ce soir. Des Lexem. Dans le cadre des lexicodèses. Voilà. Donc, avant d'attaquer des requêtes Sparkle autour des Lexem, je vais un peu vous expliquer ce que c'est. Vous êtes habitué aux éléments classiques. Quand vous tapez dans la barre de recherche le mot chien, par exemple, vous avez chien, un identifiant qui commence par un Q, en l'occurrence Q144. Qui porte sur l'espèce domestique Canis lupus, qui
est multilingue, ah, language neutral, comme on dit en anglais, qui n'a pas de langue, puisqu'en fait, il y a toutes les langues. C'est le même concept, quelle que soit la langue que l'on parle. C'est un chien, que ce soit un dog, perro, canet, c'est la même chose. On a des informations propres, du coup, au concept lui-même, qui est vrai, quel que soit le libellé. Par exemple, cette image-là représente autant un chien que, en français que dog en anglais. Dans les deux cas, cette image correspond. Mais du coup, si on veut dire quel est le féminin, quel est le masculin, quelle est l'origine du mot, chien ou dog, là, par contre, vous imaginez bien que ce n'est pas les mêmes informations suivant qu'on soit en français, qu'on soit en anglais ou selon la langue. C'est pour ça que dans Wikidata, après les éléments Q, ont été créés un autre espace de noms où ont été stockées d'autres informations. Donc, il faut préciser quand on fait une recherche L deux points, et quand je fais une recherche L chien, là, voilà, il nous propose un nouveau type d'éléments qui commencent par un L, comme l'exem, au lieu du Q pour les éléments habituels. Et donc là, on voit bien qu'on trouve plusieurs résultats, en l'occurrence tous en français, mais le français actuel, moyen français, ancien, vieux français. Voilà. Et donc, par exemple, voilà, chien en français, qui dérive de chien en moyen français, qui dérive lui-même de chien en ancien français, évidemment, ou le trouver dans un autre dictionnaire. Et la particularité, c'est que voilà, on va avoir ici des sens, en fait, des explications, des définitions du mot. Là, je ne sais pas s'il y en a plusieurs ou s'il n'y en a qu'un. Non, il y en a deux. Ah bah oui. Il y a chien, c'est autant l'espèce animale, mais chien, c'est aussi la pièce mécanique, le chien d'un revolver ou le chien d'une gâchette, peu importe laquelle, qui est du coup un autre élément. Parce qu'on voit que c'est relié à un élément correspondant pour le sens, la signification. Et donc là, on voit bien que le chien, la pièce mécanique, en anglais, du coup, ça s'appelle hammer, ou en espagnol, martillo. Tiens, en italien par contre, c'est comme en français, ça s'appelle canet. Mais que du coup, le même mot recouvre pas exactement les mêmes réalités, les mêmes idées qui sont derrière. Donc, d'où encore une fois l'intérêt des lexèmes. Donc, ça, c'est les informations sur le sens. Et si on descend, après, on a les informations sur les formes. Toutes les flexions, toutes les différentes formes que peut prendre un mot. Typiquement, pour un mot, un nom commun, on va avoir un singulier et un pluriel. Chien, un chien avec un S. Dit comme ça semble évident, mais vous pouvez penser par exemple ne serait-ce qu'à hibou qui prend un X au lieu d'un S au pluriel, ou cheval, chevaux, ce genre de choses. Et pour chaque forme, on peut mettre une prononciation par exemple. Donc, ça, c'est un exemple assez court voilà, d'introduction à quoi sert, enfin, comment sont structurés les lexèmes. On peut en regarder un autre. Princesse, allez hop. C'est un bon exemple parce que typiquement, que ce soit prince ou princesse, je vais ouvrir les deux d'ailleurs. Ah bah en plus, il n'y a pas de sens. Parfait. Je vais chercher un exemple. Prince, prince en français par contre. Là où, bonsoir tout le monde. Prince et princesse, ça va être le même élément Wikidata. Quand je parle bien d'éléments avec un Q. Par contre, c'est deux mots différents en français. Donc là, par exemple, on peut dire prince français. Et c'est quoi un prince? C'est fils d'un roi, par exemple. Et je peux ajouter éléments pour ce sens. Et c'est là que je fais le lien avec les éléments dont on a plus l'habitude. Prince. Oh bah, titre de noblesse, tiens, c'est très bien. On va commencer par ça. Oups. Donc du coup, là, ça, c'est pas le fils d'un roi, c'est titre de noblesse. Qui peut ne pas être fils d'un roi, du coup. Mais par contre, il y a un autre sens qui est fils d'un roi. Fils d'un monarque, d'ailleurs. Je sais pas si fils d'un empereur, ça s'appelle aussi un prince, à voir. Sais pas si on a un élément pour ce sens. On peut regarder élément pour ce sens. Prince, le nom de famille, le prénom, un album, etc., 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 marque de biscuit.
Non. On n'a pas un élément pour ce sens. Mais c'est bien par contre un sens différent qu'on peut stocker, même s'il n'y a pas d'élément Wikidata. Et du coup, on me demande, fils d'un tsar, grand-duc, tout dépend des pays. Oui, les titres de noblesse, ce n'est pas forcément le truc le plus simple. Par contre, on me demande quelle est la différence fondamentalement entre l'Elexem et le Wiktionnaire. Et certains esprits chagrins disent que le Wiktionnaire est mieux. Et ce qui n'est pas faux, ça dépend de ce que vous voulez en faire. Si vous voulez des définitions qui sont faites par des humains et qui sont mises en forme correctement, pour les lecteurs, typiquement le Wiktionnaire est mieux. Par contre, si vous voulez travailler sur les données elles-mêmes, les données, ça sera par contre dans l'Elexem plutôt. Et puis l'organisation aussi est fondamentalement différente. Parce que on avait l'exemple de chien tout à l'heure. Non, chien, c'est pas un bon exemple. Tour. On va prendre une tour. Ou un tour, justement. Si vous faites tour et tour, il doit y en avoir un troisième quelque part, mais bon, peu importe. Là, en français, le mot tour au masculin et le mot tour au féminin. Je fais le tour d'une tour. C'est deux lexèmes différents. Alors que ça sera qu'une seule page du dictionnaire, par exemple. Donc l'alignement et la façon dont les données sont structurées est très différente. Déjà sur les lexèmes, les données sont très fortement structurées. Là où sur le Wiktionnaire, chaque Wiktionnaire déjà a sa structuration un peu différente. Et c'est de la structuration avec des modèles plein texte. C'est pas exactement la même chose. Et le tour du potier, le troisième lexème que je n'ai pas trouvé, qui doit être quelque part. Tour, tour, tour. J'ai été trop vite. Celui-là. Voilà. Voilà, le tour du potier. L'outil ou la machine, parce que tour fraiseuse, c'est un troisième excès. Effectivement, comme le dit Evzine, dans le Wiktionnaire, il y a plein de contenus qui ne sont pas des données, des notices étymologiques, des notes d'usage, la prononciation, qui vont plus loin que les données brutes, les faites. Voilà. Et du coup, on me demande si prince et princesse sont vraiment deux lexèmes différents, ou bien un même lexème dont c'est la forme masculin et féminin. Question peut-être con, mais il n'y a pas de question con. Non, c'est absolument pas une question con. Parce que c'est bien deux lexèmes différents, même si ça semble un peu contre-intuitif, parce que l'un est effectivement le masculin de l'autre, ou l'équivalent masculin, l'équivalent féminin. Mais on peut. J'ai pas d'exemple qui me vienne forcément en tête pour ces deux-là. Mais on peut avoir des sens qui ne sont valables que pour un seul des deux. Typiquement pour les formes de métier féminin, il y a un ancien, souvent les féminins anciens, il y a plusieurs siècles, c'était en fait plutôt par exemple la présidente, c'était la femme du président et pas la personne qui a elle-même le rôle de président. Donc ça, c'est un sens qui est spécifique au féminin, ce qui justifie l'existence d'un nouveau lexème. C'est aussi plus simple d'avoir des lexèmes chacun de son côté et les données seront bien gardées. Comment tu choisis quand faut créer un nouveau lexème ou juste un sens, qui est du coup un peu la même question? Ça, c'est une très bonne question. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas créer un nouveau lexème à chaque fois qu'il y a un nouveau sens. Ça, c'est tour. Voilà. Par exemple, là, j'ai trois lexèmes tours différents. Clairement, j'ai un nom féminin, un nom masculin. Forcément, le tour, faire la circonférence de quelque chose ou un circuit, c'est clairement différent de la tour, la pièce d'échecs ou la machine de guerre ou le bâtiment de grande hauteur. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait plusieurs sens quand même pour chacun de ces lexèmes. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, le petit 7 sur quand créer. Mais en final, ça se repose beaucoup sur que disent les sources. C'est d'ailleurs un peu ce que fait aussi le Wiktionnaire. Parfois, je ne sais pas comment le Wiktionnaire traite par exemple le mot tour. Mais normalement, souvent, ils mettent nom commun 1, nom commun 2. Bah, c'est le cas ici. Bah, voilà. En français, c'est pareil, nom commun 1, 2, 3. Finalement, ils sont là, les lexèmes. Et là, on voit bien que pour un nom commun, il y a quand même plusieurs.
explication, définition, qui correspondent aux différents sens, mais spécification nom commun 1, et le nom commun 2, qui est plus loin, qui est voilà, le tour, hein, la géométrie, ou faire le tour de quelque chose ici. Et là, effectivement, pour tour, clairement, c'est l'étymologie qui permet de faire la distinction. Ça peut être le genre, ça peut être tout un tas d'informations. Et du coup, ouais, mais pour le chien, pourquoi pas deux lexèmes, un pour l'animal, l'autre pour la pièce mécanique? Bonne question, c'est peut-être une erreur. Encore une fois, on va voir ce que dit le dictionnaire, comment ils font. Non, parce que je pense que le chien du revolver vient à la même étymologie, mais juste un sens étendu du premier. Pièce, mâchoire métallique. Et c'est une bonne question, on pourrait éventuellement imaginer. Il faudrait même peut-être, je dirais, à vérifier. Acharazin nous dit d'en prendre son tour. C'est lequel tour? Eh ben, ça doit être c'est le tour d'attente, donc ça doit être le tour, la circonférence, faire le tour 2. Voilà. Lyokoi qui nous dit ça dépend de la granularité que tu veux. Ça dépend plutôt de la granularité qu'indiquent les sources, mais oui, c'est ça, c'est une question de granularité. En tout cas, c'est très clairement ça qui permet de faire la différence. Ceci dit, pour la plupart des noms, là j'ai pris un cas un peu extrême pour bien vous faire comprendre les subtilités, mais la plupart du temps, pour une chaîne de caractères, ça sera qu'un seul lexème. Si je prends Nabucodonosor, bah, c'est un seul lexème. Il n'y a pas plusieurs, hein, même s'il y a peut-être 2-3 sens pour la bouteille de champagne, etc. Mais les autres bouteilles de vin, je ne sais pas si c'est exactement la même chose, les mêmes quantités. Mais ça reste un seul lexème. La plupart des mots correspondent à un seul unique lexème. Mais du coup, pour ceux qui auraient l'habitude des éléments Wikidata correspondants, ça ne va pas forcément vous choquer que plusieurs aient le même, plusieurs lexèmes aient le même libellé. Donc là, on parle de lemme pour l'équivalent du libellé, mais c'est ça. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, mais à la limite, le mieux après, c'est d'aller regarder en Sparkle. Comment ça marche, comment on fait des requêtes sur les lexèmes en Sparkle, et ça permet de comprendre au fur et à mesure. Je vais peut-être en garder un ouvert quand même. On va garder le tour, je sais pas lequel c'est, mais on va garder celui-là, le tour, du coup. En plus, vous voyez que je les ai fait en même temps, tour. Donc, enfin, la tour féminin, ça va être, je crois qu'il y a plus de sens. Ouais, voilà. Hop là. Donc, le même outil Sparkle qu'on utilise d'habitude, query.wikidata.org, permet de requêter autant les entités éléments que les entités lexèmes. Ça, il n'y a pas de problème, on est au même endroit que d'habitude. La syntaxe est globalement la même aussi. On retrouve toujours un select pour les variables qu'on veut afficher, un where pour là où on va faire nos conditions. Les préfixes se sont un peu en commun. Donc là, par exemple, je peux mettre L200. 2330 pour celui-là, puis je peux mettre donne-moi toutes les propriétés et toutes les valeurs correspondantes. Voilà une première requête simple qui va me donner, du coup, si vous avez un peu l'habitude du Sparkle, vous devriez savoir, ça va nous donner toutes les données qui sont présentes sur cet élément. Si j'avais mis Q144 chat, il m'aurait donné tout ce qui est présent sur le chat, le chien, pardon. Et là, il va me donner tout ce qu'il a sur tour. Donc, L200, 2230, c'est 2330, j'étais en train de me dire, ça correspond pas. C'est autre chose, là, 2330. Alors, par contre, il y a des petits bugs, c'est que si j'avais mis Q144, ici, au survol, il me dit que c'est chien. Par contre, quand je mets L2330, parfois, il me met au survol et parfois pas. Il y a parfois quelques bugs. Mais bref, peu importe. Donc là, par exemple, ça va me donner voilà, 19 résultats donc, qui correspondent à 19 informations qui sont présentes ici. Donc, qui me donne des informations un peu internes, pas forcément intéressantes. Mais il me dit bien que c'est une lexical entry, donc ce qu'on appelle un lexème. Il me dit qu'il y a 9 statements.
que le lemme de base, c'est tour. Donc le lemme, c'est ce qu'il y avait ici. Il va me donner d'ailleurs voilà, le français, ici, le nom, le féminin, etc. On va les retrouver ici normalement. Pas forcément de façon très lisible d'ailleurs, mais ça on peut faire des requêtes. Enfin, on peut améliorer la requête Sparkle pour avoir des choses plus lisibles. Donc voilà, une première chose toute simple. Mais là, à la limite, ça m'intéresse pas forcément parce que c'est des données brutes. J'ai demandé donne-moi tout ce qu'il y a sur ce truc-là, mais ça m'intéresse pas forcément. Donc, ce qu'on peut faire pour commencer, c'est l'instruction wikibase lemma et récupérer le lemme. Ce qu'on appelle aussi le mot vedette en français, ou l'entrée du dictionnaire, ou l'entrée du Wiktionnaire aussi en l'occurrence. Voilà. Et donc là, je sais que L de 1330, c'est tour. Et c'est pas juste tour, si vous voyez, alors l'infobulle doit être toute petite sur votre écran, mais c'est bien tour en français. Il y a un petit @fr qui apparaît. Je peux demander qu'il me donne explicitement la catégorie lexicale, quel est le genre, non, pas le genre, la nature grammaticale, on dit en français, de ce mot. Donc là, il me dit Q84, ce qui est pas utile, donc on peut mettre un service label. Salut, Pastafarian! Donc lemme et la nature grammaticale, et je vais prendre son libellé. Comme d'habitude, à chaque fois que vous faites service, vous pouvez faire un label pour avoir en langage naturel. Parce que si j'avais mis juste nature, bah voilà, vous avez Q1084 qui n'est pas forcément parlant. Voilà, on peut requêter du coup la langue. Français, à la limite. La variable, je rappelle que le nom de variable n'a aucune importance, donc on peut l'appeler comme on veut. Donc là, voilà, il me dit français, puis encore une fois, je l'ai mis deux fois pour bien vous rappeler. Langue Q150. Langue label, le français. Qu'est-ce qu'on avait d'autre sur tour? Mais on n'a pas d'étymologie, donc on va pas faire l'étymologie. On va pouvoir récupérer d'autres trucs éventuellement. Alors, je mets à chaque fois sur une nouvelle ligne, mais je pourrais mettre. Enfin, sur la même ligne, mais je pourrais mettre une nouvelle ligne à chaque fois. Et du coup, toujours sur un. Pour travailler sur un seul lexème, là, pour l'instant, on peut demander quels sont ses sens. S'il veut, sens. Et de la même façon, quelles sont ses formes. Et c'est là où on a des données par contre très particulières, enfin, un peu plus particulières. Hein. Je vais mettre une étoile pour tout récupérer, ça sera plus simple. Voilà. Parce que là, on a des déclarations qui sont des déclarations comme on a l'habitude dans Wikidata, qu'on peut ajouter les unes après les autres. Alors, je ne sais pas d'étymologie de tour, d'où vient le mot tour. Ah, si, je peux ajouter par contre TLFI. Identifiant TLFI. Alors, le trésor de langue française informatisée. La tour 2, voilà. Donc là, je suis bien sur la tour féminin. C'est pas tour 2, du coup, machine-outil. Bah voilà, tiens, on voit d'ailleurs que le TLFI fait aussi la distinction entre tour, tour et tour. Et donc, c'est tour 1, tour 0, du coup, c'est ça. Alors, je ne sais jamais exactement comment on fonctionne, mais je crois que c'est tour 0 du coup. Je corrigerai plus tard si c'est vrai. Et du coup, j'y allais pour l'étymologie. Non, il n'y a pas de latin. Tour de Babel. Du latin. Ah, du latin. Turis. Est-ce qu'on a Turis en latin comme lexème pour l'ajouter? Étymologie. Lexème d'origine le plus proche. Alors le latin, c'est pas le plus proche parce que c'est passé par l'ancien français. Mais en attendant, c'est mieux que rien. C'est un wiki, on pourra toujours améliorer plus tard. Comme ça. Et d'ailleurs, il me dit qu'il veut une source, c'est ça? C'est ça. Et là, on va ajouter une source comme on fait d'habitude.
Et puis à la limite, j'ai la flemme, donc on va mettre voilà, et tour 0. Il doit y avoir d'autres sources qui seraient mieux que ça à regarder, mais bon, peu importe. C'est mieux que rien. Voilà. Pourquoi j'étais parti là-dessus, je ne sais plus. Pour vous montrer un peu d'édition au passage. Oui, donc si, parce que ça, c'est des. Donc du coup, c'est une édition classique comme on fait habituellement sur les éléments. Par contre, l'essence, ça c'est quelque chose de plus un peu plus différent. On a l'essence et les formes. Qui eux fonctionnent, sont pas structurés de la même manière. On voit bien qu'il y a bah, une section séparée. Une section d'ailleurs, moi j'ai un petit bouton pour les replier, c'est toujours pratique. Et là, du coup, on a de nouveau des sections, mais du coup, ces informations-là ne sont vraies que dans le cadre de ce sens-là. Donc, élément pour ce sens, tour Q12518, et là, Q autre chose, j'imagine, Q137, c'est bien à chaque fois vrai que pour le sens où l'on se trouve. Et la machine de guerre, voilà. Hacharazin qui nous dit que, en fait, TLFI, c'est une propriété à mettre dès le début sur un Lexem. Ça sert pour plein d'infos après, non? Oui, c'est une très bonne façon de procéder. Moi, je commence très souvent par mettre. Alors, soit un identifiant spécifique. Je sais que, par exemple, les Allemands sont en train de travailler sur les identifiants Duden, qui est un dictionnaire incontournable, on va dire, en allemand. Il y a plusieurs autres langues où ils ont travaillé sur les dictionnaires. En français, je crois qu'on n'a que le TLFI pour l'instant. Mea culpa. Par contre, à la limite, on peut mettre. Et d'ailleurs, si on est dans le TLFI. C'est pareil, ça me fait un bon exemple d'édition. C'est que quand une fois que si on est sur le TLFI, on peut voir dans les autres dictionnaires. Donc là, par exemple, le dictionnaire, alors le 9e, ils ne sont pas encore arrivés à la lettre T, on ne rigole pas, depuis 100 ans. Mais le 8e, lui, a bien le mot tour. Donc je peux bien ajouter aussi une propriété générale décrit par. Et donc, 8e édition. Dictionnaire de l'Académie française, je sais plus comment c'est en fait, l'Académie française, voilà. Et donc c'est bien la 8e édition 1932-1935, celle qui sera bientôt dans le domaine public partout dans le monde. Voilà. Et puis si j'avais même. Si je l'avais chez moi, je pourrais regarder la page, je pourrais indiquer la page précise où se trouve cette information. Pour le breton, typiquement, je le fais toujours parce que c'est une langue qui a tellement de variations dialectales ou de registres de langue, etc., ou de variété d'écriture, d'orthographique, que le décrit par est obligatoire. Pour des mots plus courants, on peut s'en passer éventuellement. Mais enfin, voilà, en dictionnaire de l'Académie française, et puis du coup, peut-être par le Larousse, le Grand Robert, etc., etc. Le Larousse, je ne sais pas lequel. Là, après, il faut mettre chacun des livres, hein, chacun des dictionnaires. Dictionnaire ou tout autre document. D'ailleurs, si vous avez une publication scientifique, analyse du mot tour dans la langue française, dans le nord de la France au XIVe siècle, ou des trucs comme ça, qu'un scientifique qui a fait une publication sur le sujet, ça peut être aussi utilisé là pour décrit par. On peut mettre le Trévoux, oui, bien sûr, pour vérifier, mais le Trévoux aussi est un bon dictionnaire. Le Trévoux, c'est bien un dictionnaire de français, c'est pas du moyen français à vérifier. Parce que ça, par contre, si on change de langue, c'est clairement un autre Lexem. Mais du coup, on peut ajouter tout ce qu'on veut. Au contraire, hein, faut en mettre plus qu'on veut. Le plus possible, ça rendra l'élément d'autant plus solide, hein, d'un point de vue information. Oui, c'est bien du français, merci. Je m'en doutais, mais je préfère la confirmation. Du coup, en théorie, on peut mettre Trévoux. Vous, alors pas la commune, hein, le dictionnaire. Ah, ils ont pas mis de libellé hein, d'alias dictionnaire de Trévoux. French Latin Dictionary, mais c'est pas celui-là que je veux. Moi, c'est l'édition. Édition, 6e édition. 1771, effectivement. Et si je descends, je vais l'avoir sur Wikisource. Je vais descendre à la lettre T. Je vais vérifier qu'on a bien le mot. Tour, il n'y en a peut-être pas là, mais c'est pas grave, on va le trouver. On va trouver le bon tome déjà.
PQRST. Ah, ils ne sont pas corrigés ces pages-là. Donc là, on arrive à TE. TE. Ah, ça va être dans peut-être le tome suivant. TE. Ok, tome suivant, tome 8. Mais c'est parfait parce que ça va montrer comment on fait bien les choses. Topinambour, toc, on y arrive. RSTU, donc c'est encore un petit peu après. Et là, les pages sont pas faites. On va prendre des pages au hasard ici. Ils n'affichent pas la page. Tour. Oh, là, je suis presque pile au bon endroit. Ça doit être tour, ça d'ailleurs. Tournoi. On va remonter quelques pages. Tourne. Encore une page. Tourne, tourner. Tourne toujours. Tournage. Alors, peut-être remonter plusieurs pages d'un coup. 123. Deux pages. Tourbe. Ah, on va y arriver. Tour, tour d'église. Là aussi les expressions, du coup, tour d'église est aussi un lexème. Tour à tour, 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 se dit aussi les manufactures. Alors c'est là que va falloir que je lise. L'atelier d'un tourneur, terme d'architecture, bâtiment élevé. Ah, c'est celui-là. Alors je sais pas si on le voit sur l'écran, mais c'est bien ça, terme d'architecture, bâtiment élevé, etc. etc. Donc on est à la page 113 de la sixième édition du dictionnaire de Trévoux. Et donc je peux ajouter ici. À plat, et je peux ajouter un qualificatif du coup page 113 et puis préciser que c'est le volume volume de l'œuvre. Alors c'est là que il aurait peut-être fallu avoir un élément pour chacun des volumes, mais du coup c'est le volume 8 en chiffres romains. Voilà. Donc pour ceux qui sont intéressés, on peut faire ce genre de choses pour tous les dictionnaires. On peut même, si on a des dictionnaires déjà sous des formats numériques, faire des alignements et faire un peu plus automatiquement. Mais là, je montrais à la main. Voilà. Du coup, on a plein d'infos, on va pouvoir requêter tout ça. Par exemple, là, en plus, alors on va garder ça pour plus tard. Je le mets en commentaire. Là, et du coup je peux mettre la propriété d'écrit-part que je viens de rentrer. Je mets une propriété dictionnaire, même si c'est pas forcément que des dictionnaires, en l'occurrence c'est tout le temps des dictionnaires. Voilà. Donc là j'ai les deux résultats qui apparaissent. Et donc si je mets distinct dict label, j'ai bien, voilà, Dictionnaire de l'Académie française, sixième édition du Dictionnaire de Trévoux. On remarque d'ailleurs au passage que c'est pas cohérent parce que la sixième édition est précisée explicitement alors que là, la huitième édition n'a pas été mise. J'aurais tendance à pas la mettre, mais bon, peu importe. Parce que si on fait dict description, là, je peux avoir, voilà, la précision de quelle est l'édition exactement. Quand l'article sera corrigé et créé, on pourra même mettre le lien vers Wikisource. Source. Ben, complètement, oui. Ceci dit, pareil, à la limite, là, il n'y a pas besoin de mettre une référence, parce que c'est automatiquement une référence en soi. En fait, il suffit de cliquer ici et d'aller plus loin pour avoir le texte intégré. D'ailleurs, on peut le faire en fait directement. C'est que là, je peux faire un dictionnaire et je peux faire un texte intégral en ligne, disponible sur et URL. Hop là. Et là, il ne veut pas. Erreur, erreur fatale, parce que les éléments sont pas bien entrés. Là, il n'y a rien d'entré, c'est pas bien.
Ah oui, et puis il n'y a même vraiment pas grand-chose là, sur cet élément sur l'édition de ce dictionnaire. Par contre, le dictionnaire de l'Académie française, je n'ai pas d'informations sur le texte de l'URL. Ah non, bah, j'ai pas grand-chose non plus à travailler une prochaine fois. Mais voilà, j'aurais pu avoir l'URL directement. J'ai pas besoin de l'entrer explicitement. C'est ça aussi l'intérêt d'avoir des données. C'est qu'on peut parcourir de données en données et par rebond trouver sans avoir besoin de remettre explicitement à chaque fois. L'inconvénient, c'est que les données ne sont pas toujours là et qu'il peut y avoir des choses étranges entre deux, mais voilà. Bref, ça c'est juste pour vous montrer. Hop là. On va repartir par contre sur sens et forme. À moins qu'il y ait des questions, n'hésitez pas. On va essayer d'avancer un peu. Puis à la limite, c'est ça que j'ai plus besoin. Cette partie-là. Et donc ça va me lister tous les sens et toutes les formes du mot qui existent. Et ce vers quoi il pointe au départ, c'est bien voilà, cet identifiant qui est là. Donc en fait, c'est tout ce blob qui englobe là. Il n'y a pas grand-chose forcément, mais si on va sur les formes en bas, ça inclut par exemple la prononciation. Donc là, par exemple, si je veux, on va travailler que sur les formes. Et pour la forme, je veux récupérer sa représentation. Voilà, flexion, par exemple. Et cette forme a aussi du coup une. Alors, c'était quoi la propriété pour le son? Prononciation. Prononciation. Prononciation, fichier son. Voilà, file. Hop. Et donc là, voilà, j'ai tour et tour. Avec à chaque fois le fichier commons correspondant. Lyokoi qui dit va falloir que je me panne les éditions du Dictionnaire Académie Française sur Wikidata, c'est ça? Oui. De toute façon, il me semblait que tu avais déjà parlé de le faire. Et si tu peux commencer par le huitième, qui est bah, la dernière complète, et sans doute la plus couramment utilisée, ça serait même pas plus mal. Sachant qu'en plus, il y a déjà pas mal de choses qui sont présentes. Hein. Auteur Académie Française, lieu de publication de Paris, date de publication. Par contre, oui, voilà, il n'y a même pas le lien en ligne. Le titre, enfin quelques informations de base, le numéro. Oui, il n'y a même pas de numéro d'édition. Ça, on peut le faire simplement, ça, numéro d'édition. 8, voilà, il y a des choses pas très compliquées à faire, quoi. Qu'est-ce qui me dit qu'il manque aussi? Bon, titre, facile. Éditeur, ça devrait se trouver facilement. Statut du droit d'auteur. Domaine public en France et dans certains, enfin, dans les pays de 70 ans. Après publication, parce que là c'est l'auteur et machin. Le nombre de pages, le facsimilé, le texte intégral disponible sur. Le nombre de. Non, page, ça c'est pas pertinent ici. Non, après tout, ça c'est pas pertinent. Mais voilà. Il y a deux, trois informations de base qui sont quand même manquantes à faire. Il va s'occuper de ses cornichonneries, mais c'est parfait. Ça peut faire l'objet d'un live même. Oups, il déglissait. Voilà. Donc là, par exemple, voilà, ça me donne les prononciations de ce mot-là. Bon, là, par contre, je suis parti à chaque fois d'un seul élément. C'est un peu bête et méchant. Ben, je vais quand même vous la partager, la requête. D'ailleurs, j'ai oublié de vous partager la requête précédente, mais à coup pas. N'hésitez pas à me rappeler. Donc là où c'est intéressant, c'est qu'on peut bâtir des pseudo-dictionnaires de traduction, par exemple, avec un mot et sa traduction dans une autre langue. On peut bâtir tout un tas de. Voilà, tous les mots qui sont issus d'un autre mot dans un graphe étymologique. On peut tous les noms de métiers au masculin, tous les noms au féminin, etc., etc., etc. On peut imaginer plein de choses. Donc, par exemple, là, on va prendre tous les lexèmes qui ont une langue d'indiquer, pour commencer. Pourquoi j'ai retiré le service label, je vais en avoir besoin. Et du coup, je vais grouper par langue. Non, label. Hop là. Et du coup, je peux compter pour voir un peu qu'est-ce qu'on a comme,
Je vais mettre deux espaces ici, voilà, et order by desk de compte. Alors ça va prendre un peu de temps. Normalement ça marche. La dernière fois que j'ai essayé, ça marchait. Mais c'est un peu lent. Et ça va me donner voilà, le nombre de lexèmes pour chacune des langues que connaît Wikidata. Si ça marche pas, j'ai un plan B de toute façon. Je suis déçu que ça. Enfin, je dis rien. Je ne porte pas la poisse, ça va peut-être marcher. Si vous avez des questions, des envies de requêtes, n'hésitez pas. Ça va être le moment, pendant que ça tourne, que je regarde ça pour plus tard. J'ai des idées, moi, sinon, mais autant répondre directement à vos questions, c'est encore plus pratique. Ça, c'est des requêtes assez larges. Ah, limite de retraite, attends, zut. Est-ce que c'est à cause du label? Ça passait sans le label? Je ne sais plus. Sinon, mon plan B, comme je disais, c'est d'utiliser l'outil qu'on appelle Ordia, qui se trouve ici. Je vais vous donner le lien aussi en attendant, qui fait ce genre de statistiques pour nous à notre place. Sans avoir, enfin, qui fait la requête par curl pour nous. Ah bah voilà. En fait, c'est avec le libellé que ça passe pas. Suis-je bête? J'aurais dû y penser. Tu as fait une requête sur les lexèmes qui ont une langue indiquée. Il y a des lexèmes pour lesquels la langue n'est pas indiquée. Je croyais que c'était obligatoire. Oui, c'est obligatoire, je confirme. Est-ce que par le jeu d'un bug, il est possible que ça soit. Ça ne soit pas indiqué, je crois pas. On va tenter à la limite. DCT language langue. Et donc du coup, on va le mettre en minus. Et du coup, on va demander que c'est pas un Q, c'est un L. Is zut, comment on disait tout à l'heure, je l'avais sous les yeux dans une requête, mais je l'ai oublié. Et zut. Zut. J'ai oublié comment ça s'appelle. Lexical. Lexical entrée. Ah, et puis il n'y a pas de. Hop là. Lectware. L. 3. Value. Puis ça me permet de celle-là, je l'ai faite au tout début, puis je voulais pas donner parce que bon, elle est un peu technique, mais ça peut toujours vous intéresser. Ça, c'était pour donner tout ce qui existe autour d'un lexème. Et on avait, ah voilà, RDF type. RDF type, c'est pas ça que j'avais en tête. Bon, tant pis, ça va marcher quand même. Donc ça va me donner tout ce qui est au plein. Tout ce qui est de type lexème et qui n'aurait pas de langue. Et normalement, il n'y a pas de résultat. On va vérifier, c'est l'occasion. Normalement, c'est obligatoire, donc je ne me fais pas de soucis, mais voilà, zéro résultat. Il m'a mis du temps, par contre, à trouver. Mais ça me confirme que le système fonctionne bien correctement. On peut vérifier avec une requête. Ça sert aussi potentiellement à ça, les requêtes. Si vous aviez un doute de savoir si c'était tout le temps présent ou pas, on peut faire la requête. Voilà. Est-ce que je peux refaire celle-là et en trichant, en mettant au lieu de le service label, de faire un RDFS label, langue label. Filter langue de langue label français. Est-ce que ça va être comme le service label? Ça va être trop lent. Moi qui suis trop rapide par contre. Langue label. Ici, il faut que je le demande explicitement.
suis-je bête? C'est pas le lexème qui a un libellé, c'est la langue. En tout cas, on voit, sans avoir besoin du libellé, mais on voit qu'il y a quand même des lexèmes. Donc ça, c'est le russe, je le sais, qu'il y a plus de 100 000 lexèmes. Voilà, il y a plusieurs langues voilà, trois langues avec plus de 50 000 lexèmes. Puis après, ça chute assez vite parce que c'est quand même encore que le début des lexèmes. Il y a beaucoup d'améliorations à faire, mais on a quand même beaucoup de mots. Voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 langues avec plus de 10 000 mots. Et on a 760 langues. Ça, c'est surtout, c'est génial, je trouve. Alors, quand on descend en bas, forcément, voilà, on a des langues. Dès les 200 premiers résultats, on n'a plus que 5 mots, quoi. On a un énorme effet de longue traîne. Bah, typiquement, en moyen ou en ancien français, on a rentré des mots que parce qu'on en a besoin, comme tout à l'heure pour chien, pour montrer l'étymologie. Et je sais que c'est le cas pour plein de trucs. Voilà. RDFS Label, il veut pas. Bon, bah, je vais vous partager celui-là. Puis je vais vous montrer un. Ah bah. Merci Maïa, thanks. Donc je vais vous montrer surtout pour commencer Ordia, qui est un outil où on a ici un petit outil de langue, où en fait il fait des requêtes ce Sparkle pour nous et les affiche. Donc là voilà, on a les mêmes résultats que tout à l'heure, mais avec un peu plus d'informations. Donc russe, estonien, anglais, latin, hébreu, suédois, basque, slovaque, tchèque et allemand. Quelques informations sur le nombre de formes et de lexèmes, enfin le nombre de formes et de sens par lexème. Donc on voit qu'on a des langues, alors là par exemple ça doit être le russe, voilà, qui a énormément de lexèmes, 100 000, c'est le maximum d'ailleurs, on est plus à droite sur la courbe là. Par contre on a que, entre guillemets, 1,2 million de formes, alors qu'ensuite on a l'estonien qui a moins de lexèmes, on est plus à droite, par contre il a presque 3 fois plus de formes, donc ils ont rentré les formes. Là on a l'anglais par exemple, qui est très mauvais parce que on a très peu de formes. Et puis voilà, dans l'idéal, il faudrait que les points soient le plus haut et plus en haut et plus à gauche possible. Et la même chose pour les sens. Le nombre de sens par lexème. Pareil, on a l'estonien et le russe qui sont. Alors, on voyait qu'ils étaient très bons, l'estonien par exemple, en nombre de formes. C'est cool. Par contre, l'estonien a à base 0. Zéro sens, comme ça c'est fait, il n'y a rien du tout. Ce qui est une catastrophe, c'est très mauvais, il faudrait pas faire ça. Voilà. Et de toute façon, vous imaginez bien la courbe de 1-1, on a forcément au moins normalement une forme et un sens par lexème. Sachant que même voilà, facilement pour un mot comme tour, on avait quoi, 3-4 sens, 4 sens et 2 formes, un singulier, un pluriel. Voilà. Effectivement, Acharazin, tu as tout à fait raison aussi pour les verbes. On peut imaginer qu'il y a énormément de conjugaisons qui génèrent énormément de formes. Voilà. Donc, ou les mots qui sont très polysémiques, qui ont énormément de sens. Voilà. Donc ça, voilà, ça c'est un outil qui est pratique, Ordia, que je vous ai mis dans le lien quelque part. Et Mahir, qui est présent, nous a donné ce petit outil qu'il a fait lui-même d'ailleurs, je crois, qui est un bête tableau PET scan, hein. Pas que PET scan, Listeria, où pour chaque langue il a mis voilà le nombre de lexèmes, le nombre de formes et le nombre de sens. Donc là c'est les mêmes informations qu'on a ici, mais au lieu que ce soit représenté sous forme graphique, c'est tout sous la forme d'un seul et même tableau. Et donc on voit voilà, ce genre de choses pour chacune des pour chacun des pour chacune des langues. Et donc là c'est trié en l'occurrence par sens. Donc on voit que c'est le basque qui s'en sort le mieux avec le 30 000 sens, suivi de l'anglais, du bengali, hébreu, etc. Puis le russe est assez bas alors que c'est lui qui est le premier en nombre de lexèmes. Si on trie ici par nombre de formes. Et voilà, on voit typiquement l'estonien, c'est un truc à pas faire. C'est qu'on a énormément de lexèmes, 83 000, énormément, énormément de formes, mais par contre quasiment aucun sens. Donc c'est intéressant si on veut faire un dictionnaire de vérification
utiliser les données en estonien pour vérifier l'orthographe, par exemple, un spell checker. Par contre, si on veut analyser du texte, savoir de quoi ça parle, ben là, on n'a plus aucun sens, on ne peut plus rien faire. C'est un peu dommage. Voilà. Oui, puis surtout, normalement, les deux colonnes-là devraient toujours être supérieures à celle au moins égale à ça. Bon, bref. Mais si vous remontez ici, alors, du coup, bah, il a mis le lien, mais je sais pas pourquoi il est un peu cassé dans le chat. Mais vous avez aussi la page statistique là, qui fait différentes requêtes pour vous. Le compte des formes par le compte des formes par Nature Grammatical. Donc on voit que le plus de formes sont au pluriel, singulier, puis après on a des verbes. Ok, étrange. Les cas, génitif, féminin, nom, nom. Ok, etc., etc., etc. Et donc ça, derrière ça, c'est pareil, si on va ici, le petit lien, on retrouve une requête. Une requête Sparkle. Voilà. Du coup, là, si au lieu de mettre demandez-moi toutes les langues et puis combien il y en a à chaque fois, on peut fixer et dire je veux juste le français pour nos amis ce soir. Français. Voilà. Et là, par contre, pour ces mots, je veux savoir. Quelles sont leurs natures grammaticales? On va l'appeler nature. Et du coup, là, on va compter en fonction de la nature. Et là, normalement, par contre, le label, il va passer. Là, nature, 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 label. Et je compte l'Excel. Voilà, de la même façon, le compte est le même. Et donc là, j'ai que des mots en français. Et pour chacun des mots en français, j'ai un tri et un compte par partie. Donc on a 6000 noms, 1500 adjectifs, 1400 verbes, 647 noms propres, adverbes, numéros, préfixes, prépositions, etc., etc. Puis quand on descend dans la fin de la liste, on a des choses plus étranges, genre complexes. Qu'est-ce que c'est que ça? À vérifier. Peut-être des erreurs, une locution, article défini, article indéfini. Bref. Voilà aussi le genre de choses qu'on peut faire pour commencer, pour avoir des grandes requêtes. Et je vois que le temps passe super vite. Je finirai pas dans 10 minutes. On peut continuer. Voilà. Pour faire une requête plus marrant, tout à l'heure je parlais de faire potentiellement des dictionnaires, mais on peut demander tous les lexèmes qui ont pas WDT du coup, ontolex, sens. Et là, j'avais demandé éléments pour ce sens de correspondre au chat, par exemple. Comment on dit chat dans toutes les langues du monde? Donc ça va me donner tous les lexèmes qui ont un sens et où ce sens est lié lui-même au concept de chat. Donc voilà, j'ai 80 résultats. Là, pour l'instant, j'ai juste les lexèmes en vrac, mais je peux demander du coup lexèmes wikibase-lemma déjà. Pour avoir l'élément en français, voilà. Et je peux avoir bah déjà l'élément, c'est plus pratique parce que on a le mot comme ça. Ah si, la langue, c'est ça que je voulais savoir. Lexem, DCT language, la langue. Et puis la langue, à la limite, je la veux en français. Donc le lemme et la langue, le libellé. Voilà. Donc voilà comment on dit chat dans 95 langues différentes. On peut trier par arbre alphabétique. Donc on voit d'ailleurs que dans pas mal de langues, j'ai oublié un distinct. Voilà, 92 résultats. Dans pas mal de langues, c'est des mots de la même famille. Hein. D'ailleurs, 4, 4 sœurs, 4 sœurs, 4. Oscat en bokmal, cat. Kaz en breton, gat. On voit que miskat, uskat aussi en danois, bah voilà. Etc., etc. Donc ça, c'est que des mots qui sont liés de près ou de loin
au mot chat. Alors, c'est pas forcément le mot chat lui-même, hein. Par exemple, un matou ou Ramina Grobis ou des noms comme ça, qui sont des termes qui sont liés au chat, même si c'est pas forcément le chat. Pour un chien, vous pouvez imaginer un cabot, un bâtard. C'est aussi des mots qui sont liés au même, à la même idée derrière, au même concept Wikidata. C'est pour ça que on peut pas utiliser brutalement ces résultats-là pour en faire une traduction, parce que c'était le cas, voilà, en Bokmal et en danois. Ils ont distingué chat en général de Huskat, qui doit être le chat de maison, le chat domestique. Pareil en Bokmal. Voilà, on a chat et chat domestique, qui sont pas tout à fait des termes interchangeables. Voilà un exemple. Il y a encore du monde dans le chat, oui. Je vous vois, mais je ne vous vois pas poser de questions. Donc, pour faire les dernières requêtes, je vous laisse me faire des propositions éventuellement. Ou si vous avez des questions d'ailleurs en général, pas forcément des besoins ou des envies de requêtes. N'hésitez pas à poser vos questions. Si vous voulez parler des Lexem en général, il y a de quoi dire. Et l'avantage des requêtes, c'est que là, j'ai pris le chat, parce que j'ai pris chat parce que je le connaissais par cœur, mais si je change pour chien, par exemple, ça marche tout aussi bien. Ça marche mieux, il y a plus de résultats pour chien. Et donc là, on a le mot pour chien. Si je remplace par Allemagne, je crois qu'on a plusieurs langues. On a, voilà, en 27 langues du monde, comment on dit le mot Allemagne? Germany, Deutschland, Nemska, etc., etc. On peut remplacer par énormément de choses, en fait, finalement. La planète Mars aussi. Voilà, comment on dit Mars? Non, 18 langues, c'est assez peu, mais on a quelques-unes. Ce qui est marrant d'ailleurs, si on trie, vous voyez que, voilà, par exemple, en japonais, en chinois, mandarin, ça s'écrit pareil, même si du coup, ça se prononce pas du tout pareil. En l'occurrence, je ne sais plus prononcer, mais dans les deux cas, ça veut dire la planète de feu. Ce petit symbole étant le feu qui brûle. Ça, c'est planète. C'est un soleil au-dessus d'un arbre, je crois, je ne sais plus. Peu importe. Mais voilà, ça montre bien que c'est deux lexèmes aussi différents. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire aussi, sinon, puisque je vois qu'il n'y a pas de questions, vous êtes un peu timide ce soir, n'hésitez pas, mais on peut prendre allez, on va faire des verbes, on va essayer de faire des tableaux de conjugaison, ce genre de choses. Du coup, on va prendre les verbes en français. Roman. Qui a pour nature grammaticale d'être un verbe. Et on va prendre qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire donc le verbe toujours qui a du coup des formes, lexical formes. Ça va me donner trop de résultats, mais ça peut donner déjà un exemple. Je peux récupérer aussi le lemme principal, le mot vedette. Ah bah voilà, il suffit que je parle des verbes et j'ai plein de questions. Acharazin me demande du coup pour les verbes, t'en es où du projet d'outils pour la conjugaison, histoire qu'on fasse chauffer les formes. Ça avance doucement. On a quelques problèmes préliminaires, comme tu le sais. Notamment, on a le problème de l'imparfait. Voilà. Si vous regardez imparfait, on n'a pas d'élément sur l'imparfait en général. On a imparfait de l'indicatif, qui est en fait un joyeux mélange de. Si on regarde dans les
Voilà, dans les langues. Dans certaines langues, là, c'est de l'imparfait général, présent, enfin, imparfait de l'indicatif ou imparfait en général, ou imparfait du subjonctif. Et dans d'autres langues, bah, c'est clairement, bah, voilà, par exemple en aragonais, passé imparfait de l'indicatif. Donc tout est mélangé. Et du coup, on ne peut pas le réutiliser correctement pour les conjugaisons en français. C'est emmerdant, pour rester poli. Donc on est un peu bloqué. Pour les verbes qui ont deux, voire plus façons de se conjuguer, il faut présenter ça comment? Ben normalement, on peut tout mettre dans un. Alors, du coup, je travaille en même temps sur les verbes en français et en breton. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai un peu les neurones qui se croisent parfois. Mais le verbe être en breton, par exemple, qui se prononce baise, est un verbe irrégulier, d'ailleurs, comme c'est indiqué ici, qui est un joie et bonheur de conjugaison. Donc il y a. Blablabla. Oui, il y a 90 formes, je crois, quasiment. Plus de 90 formes. Voilà. Tout, 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 tout. On va descendre à la fin de temps. 188 formes. Et du coup, à chaque fois, on indique quelle est la forme, pour qui, pourquoi, pluriel, impératif, troisième personne, mutation, etc. Il y en a même quelques-uns. Voilà, par exemple, son infinitif, normalement, c'est béant, baisant. Mais en breton cornouaillais, en breton vannetais, on met bout. Et il y a quelques formes qui dépendent. Voilà. Le verbe, enfin, la forme change en fonction de s'il est précédé par le sujet ou suivi par le sujet. Ce genre de choses, joie et bonheur. S'il y a un sujet qui est exprimé dans la phrase, bah ça change la façon, la forme qu'elle a. Donc on peut stocker tout dans le même lexème, puisque c'est des formes bien d'un même verbe. Hein. Tu dis bien pour un verbe qu'il y a plusieurs façons de se conjuguer. Donc ça va bien tout au même endroit, c'est bien des formes d'un même verbe. Par contre, on peut les indiquer soit avec les caractéristiques grammaticales ici, soit avec des statements, des déclarations. On peut apporter des précisions. Et du coup, oui, effectivement, il y a des verbes. Alors, arguer et ouir, en plus, ça c'est encore les pires. Mais il y a des variations dialectales qui sont prévues pour être stockées de toute façon par les. Enfin, dialectales et tout un tas d'autres variations. Hein. D'ailleurs, ça peut être aussi en français standard, de grammaire, qui savent pas exactement. Qui hésitent ou qui ont des directions différentes. Mais comme pour les éléments. Par exemple, sur l'élément quelle est la capitale de quoi Jérusalem est-elle la capitale, par exemple? Pour un élément Wikidata classique, on peut mettre des informations contradictoires ou différentes, en tout cas, et à chaque fois mettre des qualificatifs et des sources pour que les données soient bien gardées. Donc, ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est plutôt vu qu'il y en a énormément, de faire à la main, c'est pas possible, c'est pas humain. D'ailleurs, même le Wiktionnaire a un modèle pour générer les tables de conjugaison. Là, du coup, je suis en train d'essayer de travailler sur un script pour les rentrer semi-automatiquement. Voilà. Donc, du coup, là, voilà, on a une liste de 1900 verbes avec des formes en français. Et du coup, donc là, j'ai la forme, l'élément forme. Et en fait, je veux plutôt sa représentation de sa forme. Poum, voilà, donc survenir, survenir, alléguer, alléguer, recevoir, reçoit. Là, on commence à avoir des formes recevoir, reçu, etc. Donc, à la limite, là, je peux faire un groupe by verbe. Et pour chacun de ces verbes, et puis pour son lemme d'ailleurs, je peux faire un groupe concat et je peux stocker les différentes formes en tant que forme. Hop là. Hop là, et donc on peut trier comme ça, ABC, ABC. Bon, donc là on voit que la plupart des verbes n'ont que l'infinitif comme forme, donc c'est vite fait le tri. Mais voilà, on a par exemple le verbe aimer, on voit qu'il y en a plusieurs qui ont, sans doute pas tout encore, mais il y en a un certain nombre qui ont été stockés. Le verbe aller, qui en plus change de radical en fonction du verbe, qui est très irrégulier aussi, par supplétion en plus, joie et bonheur. Voilà. La plupart du temps, on a quand même que l'infinitif et c'est fort dommage.
C'est exactement pour ça qu'avec H1Z1, on a décidé de travailler dessus et que je suis en train de travailler les scripts. Ça fera peut-être d'ailleurs à la fin du mois, si les choses avancent comme je veux, j'ai le temps. Donc pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, peut-être que mon Twitch sera sur du codage de script. Spoiler, hein, c'est du codage dégueulasse, mais ça fait le boulot en tout cas. Lyokoi qui me demande les formes pronominales sont rangées comment? C'est une bonne question. En fait, on stocke pas la forme pronominale. Je pense pas. J'ai pas d'exemple de forme de verbes pronominaux qui serait bien rentré. Mais si je suis moins bête que la moyenne, je peux peut-être trouver un lexème. Un lexème. On va prendre les lexèmes en français du coup. Plus grand, et qui serait lié à un verbe pronominal. Est-ce que ça, j'ai des résultats? Non. Se tromper. Alors les verbes, on n'est vraiment pas bon, donc à mon avis, c'est pour ça que je. Si on cherche au hasard comme ça, se tromper, bon, on va pas trouver. Tromper tout court, je pense pas qu'on trouve. Ah si. Est-ce qu'il est indiqué? Non, il n'y a rien du tout indiqué. J'imagine que c'est le département 39. Oui, voilà, il n'y a rien fait comme d'habitude. Mais du coup, on indique ici que le verbe est pronominal. On a, voilà, c'est ça l'intérêt des données. C'est qu'on stocke la donnée et que du coup, on peut recomposer si c'est régulier. Mais je sais pas si on a une propriété pour pronominal. Pronomie. Non. Du coup, je pense qu'on met nature. Nature P31. Nature de l'élément. Verbe pronominal. Quelque chose comme ça. Faut réfléchir. Là, je ne vais pas sauvegarder parce que je suis pas sûr. Par contre, pour prendre un autre exemple, on va prendre le verbe aller. C'était le verbe aller qu'on a vu qui était. Ou aimer. Je crois qu'elle n'était pas mal fait. Aimer, pas en jersey, en français. Ah bah voilà. On parlait tout à l'heure du dictionnaire de l'Académie française. Voilà. Le verbe aimer, il est décrit par un dictionnaire de l'Académie française. Et là, il y a les 8 éditions qui sont rentrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah ben 9, avec là, puisque la lettre A, ils l'ont déjà faite. D'ailleurs, c'est marrant d'avoir une citation ici comme ça. Ok. Et du coup, est-ce que c'est mis le groupe verbal, l'auxiliaire avoir? Il n'y a pas par contre. Non, c'est pas indiqué la pronominale, mais il n'y a pas besoin de le stocker parce que, à vérifier, on peut le générer. Tout comme on ne générait pas les temps composés, par exemple, on va pas mettre le passé composé, puisque c'est juste. Puisque c'est juste composé, normalement. À vérifier. Je dis peut-être des bêtises là. Donc, j'ai commencé par les verbes simples et par les cas simples. Je ne suis pas allé jusque-là encore pour l'instant. Ah, par contre, du coup, se tromper et tromper sont sous le même LID. C'est une bonne question, ça. Parce que j'étais parti du principe que oui. Mais maintenant, tu me poses la question. Non, c'est pas évident qu'eux, ils ont des sens différents. Donc, ça serait deux lexèmes. Du coup, est-ce que si je cherche en ce quelque chose, ce et puis autre chose, il n'y a pas des verbes en anglais qui seraient pronominaux ou particules séparables ou go up par exemple. Pas d'exemple. Dans le oui, c'est ces deux choses différentes. Bah oui, mais je pense que c'est logique. Si au lieu de mettre en langue, je mets d'ailleurs si je mets n'importe quelle langue.
Est-ce que quelqu'un a fait quelque chose? Non, pas comme ça en tout cas. Pas avec cette valeur-là. Pas d'exemple. C'est un bon exemple, les verres dominos. Ça fait une bonne piste de réflexion. Mais je dirais, sous couvert de vérification, puis il faut voir avec notamment la communauté s'ils ont déjà fait et comment. Mais je dirais que c'est des Lexem différents du coup. Donc ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'était une bêtise. Enfin, on peut les générer automatiquement, mais c'est pas une bonne idée. Surtout que je suis en train de me dire que c'est pas toujours ce. Ça peut être s'adresser, S apostrophe, ou des choses comme ça. S'aimer aussi d'ailleurs. À voir comment ça fonctionne exactement. Je pense qu'il faut regarder au niveau des d'autres langues parce que ouais, en anglais, il y a des particules dont j'ai oublié le nom, mais qui les changent. Voilà, going down, c'est pas juste aller vers le bas, mais ça peut être taking down, par exemple, ça peut être tuer le sens. Donc il faut forcément un lexème séparé. Et en allemand, c'est encore pareil, hein, il y a des particules. Séparables, inséparables. On a des verbes comme durchfahren ou le verbe durchfahren qui s'écrivent pareil à l'infinitif, mais un avec les. Un qui est séparable et l'autre qui est inséparable. D'ailleurs, tiens, c'est une bonne idée, durchfahren. Qui est un mot très marrant en allemand puisqu'il a le sens opposé alors qu'il s'écrit pareil dans les deux cas. Pas comme ça que ça s'écrit, durchfahren. Do. Je sais plus écrire. Voilà. Bah, donc on l'a pas dans. Donc voilà, on a le verbe intransitif irrégulier, unregelmäßig, et on a le verbe transitif aussi. Voilà. Donc là, on voit que la particule est séparable, et là, la particule n'est pas séparable, et ça, c'est deux lexèmes différents, clairement. Puisque ça veut dire passer par. Par exemple, si on parle de durchfahren, un rond-point dans ce sens-là, on traverse le rond-point, mais on écrase le truc au milieu. Enfin, on passe autour, au contraire, on fait le tour du rond-point. Alors que ça, c'est on le traverse, on passe au milieu, on grille le rond-point en fait. Donc c'est autant traverser en détruisant tout au passage, entre guillemets, ou traverser, faire le tour. Donc. Voilà le même verbe qui a deux sens très différents. Sinon, en russe, y a une bonne base de russe sur les lexèmes, c'est une bonne idée. Par contre, je ne suis pas sûr, je vais en prendre un au hasard, puis on va voir ce que ça donne. Mais je ne suis pas sûr que les verbes pareils soient bien faits, on va voir ça. Et voilà, j'en ai pris un au hasard, et ce n'est pas une bonne idée. Faudrait regarder comment ça a été fait pour le russe aussi, parce qu'en plus les lexèmes en russe ont été importés du Wiktionnaire par la communauté. Donc en plus il y a une communauté Wiktionnaire impliquée qui a dû réfléchir un peu. Mais ça a été fait il y a longtemps, donc je ne sais pas jusqu'où ils ont été. Bref. Sinon, on va chercher du coup tout ce qui est qui a un lemma. Et on va filter Agex le lemme en français sans le A. On commence par ce. Est-ce qu'on a des choses comme ça en français déjà? Tout. Ou la même chose en anglais qui se termine par down par exemple. Ah, ben voilà! Le Sparkle, c'est la solution à tout. Bah, du coup, je vous partage ça parce que ça peut être utile en plus. Et en plus, c'est un truc tout bête et méchant qui marche bien. Voilà. Donc, du coup, je demande juste, donne-moi tous les lexèmes qui ont un lemme et où ce lemme commence par SE, espace. Et voilà, j'en ai 7 résultats. Se rendre, se figurer, se marier, se donner au diable, se mettre, se plaindre, se promener. Maintenant, voyons à quoi il ressemble. Ça va être autre chose. Sans doute à rien. Composé de se rendre, pas de sens et juste l'infinitif comme forme. Ben voilà, ça va pas m'aider.
Ce que je peux faire éventuellement, c'est d'ajouter un lexem wikibase statements NB. Ça permet de compter le nombre de statements, de déclarations par élément, pour voir s'il y en a qui ont un peu plus de trucs que d'autres. 2, 3, 1, 1. Voilà. Se figurer, il y a un peu plus d'infos, mais il n'y a pas grand-chose pour autant. Donc ça c'est fait. Ah si, il est indiqué que c'est un verbe du premier groupe. Ah oui, ok. Mais ça va pas plus loin. Bon, tant pis. Et en anglais, c'est pas des verbes tout ça. J'ai pas précisé. Verbe, hop. Mais si je précise que mon lexème doit avoir pour un catégorie lexicale d'être un verbe. Ah voilà. Là, j'ai des verbes qui finissent. To break up, ben, par exemple, se séparer. N'y a pas grand-chose pour autant, mais c'est en tout cas bien les trucs séparés. Donc ça, c'est en fait, c'est logique maintenant que j'y repense. Là, je peux vous partager ça aussi éventuellement, si vous voulez. Et il est déjà 19h13, donc à moins que vous ayez des dernières questions, j'en serais fort heureux de vous répondre en direct. On peut éventuellement s'arrêter là. Pense que ça fait déjà peut-être éventuellement déjà beaucoup pour ceux qui découvrent les Lexem. Puis en fait, il y a tellement de choses à faire avec les Lexem, on peut tellement explorer. Voilà, explorer les différentes formes, les différents sons, les différentes étymologies, histoire d'un verbe. D'un verbe, d'un mot, de tout d'ailleurs. Ah si, ce qui est marrant, tiens, on va finir là-dessus. Les mots qui ont été inventés. On va du coup vous dire. Langue. Et puis. Lemme surtout, ça va être. Enfin, plutôt les mots qui ont été inventés. Tous les mots ont été inventés un jour ou l'autre, mais les mots dont on connaît l'inventeur. Inventé par, je crois. Découvreur ou inventeur. Et la personne. Et puis on va pouvoir finir là-dessus. Donc on a des mots marrants, notamment certains qui. C'est moi qui ai rentré, donc c'est pour ça que je sais que ça existe. Mais le mot pieuvre inventé, en français par exemple, a été inventé par Victor Hugo. Donc on a rentré cette donnée. D'ailleurs, si je mets un service label, ça sera plus sympa pour vous pour la partager. Donc le lemme, la langue avec son libellé, et la personne avec son libellé. Le label. Pour le libellé. Donc voilà, on a un COVVP qui a été inventé en anglais par Donald Trump. C'est un mot. Ok. Le mot Google qui a été inventé par Milton Sirota aussi, c'est connu. Ça, c'est un mot dans une bande dessinée allemande, je crois. Je ne sais plus exactement. Voilà, ou pieuvre qui a été inventé, en fait récupéré du jersey notamment par Victor Hugo pour le français. Mais du coup, il a été le premier à l'utiliser en français puis qu'il l'a popularisé du coup. Donc c'est inventeur au sens large, hein. Et tétraplectomie par Umberto Eco, qui pour le coup lui l'a inventé en italien, mais le mot en français vient de Umberto Eco tout de même. Ça, c'est un genre de truc qu'on n'a pas beaucoup de données pour l'instant, mais à terme, ça pourra faire des choses très marrantes. Les mots inventés par des femmes, les mots inventés, les mots les plus courts, parce que finalement, c'est assez marrant des mots. Avec quelques lettres seulement, des mots très longs comme ça, évidemment, n'importe qui peut en inventer. Hein. Un nouveau ministre qui pond une loi en allemand avec un mot comme ça, agglutiné, ça peut se comprendre. Mais des mots courts, c'est assez marrant. Hein. Voilà. Voilà. Donc, pour les explorer, il faut d'abord commencer par les compléter. Tout à fait, Acharazin, tu as raison. Mais on peut déjà explorer pas mal de choses, je trouve. Et puis surtout, en explorant. On trouve aussi des idées de pistes vers lesquelles on peut compléter. Notamment, ça pourrait être bien de lister des requêtes qui permettent de repérer les lacunes par la nature grammaticale, mais complètement. On peut faire une. Typiquement, on sait que.
que les verbes doivent avoir une soixantaine de formes en français, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, peu importe quel est le chiffre, on peut se dire, donne-moi tous les verbes qui ont moins de X formes. On peut faire pareil d'ailleurs avec les noms communs qui doivent avoir normalement deux formes, dont une au singulier, une au pluriel en français. C'est pas forcément vrai pour toutes les autres langues, mais voilà. On peut faire tout un tas de requêtes comme ça de vérification en fait. Du coup, pour finir, on peut aller sur WD2.LD, qui est le projet lexicographique, où il y a de la documentation, de l'information et bien plus de choses que j'en ai dit. Mais il y a notamment justement voilà le Useful Queries qui correspond à ça justement, où il y a des requêtes de maintenance en première partie. Là où la langue qui est indiquée n'est pas une langue, là où la langue du lemme n'est pas la même que la langue du lexème, celles qui n'ont aucune forme, celles qui n'ont aucun sens, etc., etc., etc. Et ça, c'est des requêtes de base qu'on peut améliorer, préciser, etc., 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 à l'envi. Et à la fin, après, il y a voilà, quelques requêtes de statistiques qui ne marchent plus. Dommage. Puis des requêtes marrantes. Voilà, les mots, par exemple, celle-là, j'aime bien, c'est les mots qui ont les cinq voyelles A, E, I, O, U en français, avec et sans le Y. C'est une requête que j'avais fait il y a très longtemps. Donc voilà la liste des mots en français qui ont toutes les A, E, I, O, U. Donc le plus court, c'est oiseau avec six lettres, poireau, séquoia, évanouir, roumanie, etc. Et en plus, là, je les ai classés par longueur du mot. Parce que forcément, quand un mot devient très long, c'est logique qu'on trouve au moins une fois chaque lettre. Pornographique, par exemple, à toutes les lettres de l'alphabet, enfin toutes les voyelles, 43, etc. Mais quand on est très long, c'est logique. Mais le mot le plus court, du coup, c'est oiseau, puisqu'il n'y a que la consonne S. Et si on fait pareil avec un Y, A-E-I-O-U-Y, on n'a pas encore guerroyer, qui est le mot le plus court, mais on a royaume-uni, patronymique, hydrographique, ce genre de choses. Donc on a la page voilà, sur lexicographical data. Useful queries ici, où on peut trouver ce genre de requêtes. Et n'hésitez pas à ajouter les vôtres d'ailleurs si elles sont pertinentes, notamment pour tout ce qui est maintenance. Acharzin qui dit que pour le verbe, il faut des groupes de conjugaison, l'auxiliaire, la forme de base, le radical, enfin thème morphologique, comme on l'appelle actuellement dans la propriété Wikidata, caractère transitif, pronominal, etc. Oui, tout à fait, il y a énormément de travail qui est en train d'être fait d'ailleurs là-dessus. Et la requête AEIOU, c'est cool pour jouer au Scrabble. Oui, parce que là, je l'ai fait avec les voyelles AEIOU, mais on peut le faire avec n'importe quelle lettre, en fait. Donne-moi tous les mots qui contiennent les lettres que j'ai devant moi au Scrabble. Et on peut faire ce genre de choses, ce genre d'outils. Voilà. J'espère. Hop là, non, ici. Que je ne vous ai pas trop perdu. On refera des lexèmes une prochaine fois, peut-être pas le mardi soir, parce que là je le fais pour les lexicodes, c'était l'occasion. Je le ferai pour la semaine prochaine en anglais. Mais je ferai peut-être un truc en week-end pour avoir plus le temps, pour montrer des scripts et d'autres choses, pour aller plus loin. N'hésitez pas à regarder le programme des lexicodes, vous verrez peut-être d'autres informations. D'autres vidéos que je mettrai dans la description une fois que cette vidéo sera sur YouTube d'ailleurs, éventuellement, pour voir d'autres choses. Voilà, parce qu'effectivement, il y a encore beaucoup à faire sur l'XM, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On commence à voir, on a deux fois plus de formes dans l'XM qu'il y a au total d'entrées dans le Wiktionnaire en français. C'est assez drôle que, mine de rien, en 2-3 ans, on a fait plus. Lexical jour, lexical days in English. Voilà. Et si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon repas pour si, ceux qui vont manger, qui, comme moi, commencent à avoir un peu faim. N'hésitez pas à 20h, c'est-à-dire dans 40 minutes, il y a l'ami Alios qui fait du Wikisource sur sa chaîne Twitch. Comment on fait un comme ça? Je ne sais plus.
Ah, la fonction ne marche plus. Bon, en tout cas, alios. Non, c'est pas alios. Ah, j'ai oublié. C'est alios son pseudo? Suis-je bête? Ou il y a un chiffre à la fin? Azazas 77 sur les projets. J'ai l'air con. Je voulais faire de la pub et j'ai oublié de son. Ah si, c'est bien ça pourtant. Bon, bref. Je ne sais pas pourquoi la fonction shoutout pour faire un joli truc. Mais voilà. N'hésitez pas à aller voir Alios, qui fait des dictionnaires en chinois notamment, et des traductions d'articles Wikipédia en rapport avec le chinois aussi, différentes choses, dans 40 minutes. Voilà. Et du coup, il me reste à vous dire donc une bonne soirée. À la semaine prochaine, pour ceux qui veulent voir my terrible accent in English. Alios, oui, bah c'est bien comme ça que je l'écris. Bon, bref, peu importe. Bonne soirée tout le monde. Bonsoir, ciao, ciao.